Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, j'ai souhaité faire une déclaration relative à la vie interne de notre groupe. Je vous remercie donc de me donner l'occasion d'en exprimer la teneur dans un court propos. Puisque les travaux de notre Assemblée se structurent et qu'il est en conséquence nécessaire que vous ayez un interlocuteur désigné, dans notre groupe, pour le bon fonctionnement des séances, je tiens à faire part à notre Assemblée de mon élection à la fonction de présidente du groupe de l'opposition municipale. Ce faisant, je mesure pleinement les responsabilités qui me sont ainsi confiées et je travaillerai naturellement sans relâche afin de m'en montrer digne. Notre groupe Agnières en marche aura à cœur de jouer pleinement son rôle au sein de notre conseil et auprès des Agnérois. Ce rôle, nous le voulons vigilant, donc nécessairement critique, opposant, mais également constructif, au reste dans le droit fil de notre participation à cette Assemblée délibérante depuis l'élection de mars dernier. Constructif, nous continuerons d'être également ouverts, refusant tout dogmatisme, tout sectarisme, privilégiant l'intérêt général et celui de notre ville, privilégiant l'écoute. Et notre porte restera toujours ouverte au dialogue avec tous ceux qui partagent cet impératif, naturellement, quelle que soit leur place dans cette Assemblée. Force de proposition, nous saurons rappeler tous les projets que nous avons naturellement mis en œuvre, mais aussi ce qu'il convient de faire dans l'avenir pour que le développement d'Agnières se poursuive de manière forte et harmonieuse. Je vous remercie de votre attention.